Bonjour, bienvenue sur la chaîne Window Tech. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc, pour ce nouveau tuto, on va voir ensemble pour résoudre les problèmes lorsque vous créez une clé USB bootable. Eh bien, vous voulez booter, vous voulez allumer, démarrer votre PC sur la clé. Vous avez installé le support d'installation dans la clé pour pouvoir ensuite ou réparer Windows ou bien pour réinstaller Windows. Donc, lorsque vous branchez sur votre port USB de votre appareil, eh bien, là, je vais vous montrer. Donc, on va voir ensemble la méthode efficace pour résoudre le problème et avoir enfin la clé bootable qui apparaît dans le BIOS. Alors on dit apparaître dans le BIOS, mais aussi il n'apparaît pas dans le menu boot pour pouvoir la sélectionner. Donc je vais vous montrer tout ça de suite. Donc c'est parti. Donc là je redémarre mon appareil, je fais redémarrer. Donc là j'appuie sur échappe pour mon PC pour aller dans le boot menu. Donc là j'appuie sur F2 et donc ici je veux aller dans le boot device option. Donc je fais F9. Et ici comme on peut voir, eh bien je n'ai pas ma clé qui apparaît. Donc là c'est mon disque, c'est-à-dire un démarrage normal. Ça c'est autre chose, mais ça ne correspond pas à ma clé. Donc ma clé n'apparaît pas du tout. Je vais vous montrer comment résoudre le problème. Alors dans ces cas-là, il va falloir redémarrer le PC. Donc là je fais CTRL Alt Supprime. Je réappuie encore une fois au démarrage sur échappe. Et là, je vais aller dans le BIOS Setup. Donc, je fais F10. Donc là, me voilà dans le BIOS de mon ordinateur. Donc ici, on va aller sur, avec les flèches directionnelles, on va aller à droite et sur Boot, Option, Option de démarrage. Ensuite, on peut voir qu'ici, j'ai bien ma clé ici qui apparaît, mais seulement lorsque je veux la sélectionner et que je veux changer l'ordre, eh bien, je peux pas. Elle a un point d'exclamation au début et donc c'est pas possible. Même celui-ci, c'est pas possible. Donc, il y a que celui-ci qui est disponible. Alors ici, on voit bien que face à USB boot, ici, eh bien, il est en disable. Ça veut dire qu'il est désactivé. Et donc là, on va l'activer. Donc là, je le sélectionne, comme là. Voilà, je le mets en surbrillance et je fais entrée. Alors, ça peut être entrée pour certains appareils comme le mien. Eh bien, ça peut être directement les flèches directionnelles pour changer de disable à enable. Donc là, ici, maintenant, avec les flèches directionnelles, je descends et je fais enable. Là, je fais entrée. Maintenant, on peut remarquer que ici, USB flash, je peux avoir accès. Voilà. Donc là, il est accessible. Il est libéré. Donc je n'ai plus les points d'exclamation. Donc à partir de là, normalement, en ayant mis Enable sur USB boot, ça veut dire activer. Maintenant, on va le sauvegarder. Donc on fait F10. Donc là, je fais F10 et je fais Yes. Donc là, avec les flèches directionnelles, vous pouvez changer. Je fais Yes, je fais Entrée. Alors, une seule chose, c'est que si vous n'arrivez pas en fonction de l'appareil que vous avez, d'un appareil à un autre, eh bien le BIOS est changeant. Donc l'interface n'est pas la même. Alors, pour pas vous tromper, je vais vous expliquer ce que vous faites. Si vous ne le trouvez pas, il y a une astuce bien plus efficace. C'est que tout ce que vous voyez en boot, USB boot. Alors network boot, ce n'est pas la peine, c'est l'internet. Donc ça n'a rien à voir. Donc tout ce que vous avez en boot, vous le mettez en enable, c'est-à-dire activé. D'accord? Donc si vous voyez des menus boot en disable, ça veut dire qu'ils sont désactivés. Et donc vous les activez toutes. J'espère que vous avez bien compris que tous les boots, il va falloir les activer. Donc ça ne risque rien, c'est le démarrage. Justement, ça libère les démarrages avec une clé USB ou autre appareil. Donc là, vous serez sûr que lorsque vous mettez tous les boots sur enable, eh bien, vous allez trouver votre clé dans le menu boot lorsque vous voulez booter avec votre clé et enfin pouvoir réparer Windows. Donc ça, c'était pour... Là, j'ai un ordinateur HP. Donc, comme je vous dis, sur un autre appareil, ça peut être différent. Donc, je vais vous montrer sur un deuxième appareil. Là, on va vérifier. Alors, je vais faire F10. Donc, je sauvegarde les changements. Je fais Yes sur échappe pour avoir le menu boot. Et on va voir si ma clé apparaît. Et maintenant, je vais aller faire F9, Boot Device Option. Voilà, comme vous pouvez voir, tout à l'heure, j'avais que deux lignes. Maintenant, j'ai une troisième ligne. Donc, ma clé que j'ai activée dans le BIOS, eh bien, elle est ici. Et donc, lorsque j'appuie, maintenant, je peux booter avec la clé. J'ai bien l'interface du support d'installation de Windows. Et à partir de là, vous pourrez réparer Windows ou bien réinstaller Windows. Ça, c'était pour la première partie. Je vais vous montrer maintenant sur un autre ordinateur. Donc là, je vous montre sur un autre PC. Donc, c'est un ancien PC HP. Eh bien, là, lorsque vous rentrez dans le menu boot, eh bien, votre clé n'apparaît pas dans le menu ici. Aucune clé qui vous appartient quand vous avez bien fait l'installation. Donc, on va voir sur le BIOS d'un ancien PC HP. Donc, il se peut que vous ayez cette configuration de BIOS sur votre appareil. Donc là, je viens d'appuyer sur F10 pour avoir le menu BIOS de mon appareil. Donc ici, c'est le même système. Alors, moi, c'est marqué en français. Donc, je vais vous le marquer en anglais si vous l'avez en anglais. Comme ça, pas de problème. Donc là, j'ai le boot option. Donc, c'est là où on va aller, dans le boot option. Donc, il se peut que vous ayez cette configuration-là. Donc là, c'est pareil. Vous êtes dans les options de démarrage. Donc, tout ce qui est en menu boot,
Vous le mettez en enable. CD ROM boot. Vous avez floppy boot. Alors floppy boot, si vous avez ça, c'est pas la peine de l'activer parce que c'est pour les disquettes en fait. Maintenant, aujourd'hui, on démarre avec une clé bootable, mais avant c'était des disquettes. Donc rien d'important, on le laisse en disable. Internet, internal network adaptateur boot. Ça, c'est pas forcément nécessaire. Boot menu, je l'ai en RPL. Et là, ici, j'ai le multi-boot en disable. Donc, c'est le multi-boot le plus important pour l'interface que vous trouvez sur mon écran. C'est le multi-boot. Il se peut aussi que vous ayez multi-boot. Alors, c'est multi-boot ou bien USB boot comme mon premier ordinateur. Vous pouvez rencontrer aussi Fast Boot, vous pouvez rencontrer Fast BIOS et Multiboot comme vous pouvez le voir sur l'écran. Donc ça, c'est les quatre que vous pouvez rencontrer sur différents appareils. Vous le mettez sur ici sur Enable, donc je change, je le mets sur Enable. Et ensuite, comme je l'ai expliqué lors du début de la première séquence de vidéo, eh bien, pour pas vous tromper, tout ce qui est en boot, vous le mettez en Enable. Une fois que vous l'avez mis en Enable, eh bien, vous confirmez en faisant F10, F10 encore, et là, il me demande de sauvegarder les changements. Donc je fais OK, et là, il me dit d'aller sur F10. Donc je fais F10 et maintenant il va démarrer. Et donc si je veux démarrer dans le boot, maintenant ma clé apparaît. Je peux démarrer avec ma clé. Comme ceci, USB hard disk. Donc la vidéo est terminée. Donc n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Pour les nouveaux qui viennent pour la première fois regarder ma vidéo, je vous invite à vous abonner. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne Windows Tech. À cliquer sur le pouce et la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir, à une prochaine vidéo. Merci.